Il y a clairement une différence avec l'an passé. Le thème du luxe, qui avait dominé la scène de façon importante l'an dernier, a été moins mis en avant cette année. Je pense qu'il s'agit là d'un signe normal lié aux conditions économiques et à la crise. Il y a des designers qui dessinent des meubles en s'inspirant des années 50, des années 60. Ce qu'il y a de curieux, c'est que désormais on arrive aux années 80, on commence à voir les premières rééditions du design des années 80. Quelle a été notre chance à nous, Italiens? Moi, je crois que le design italien a été capable de communiquer tout seul et, d'une certaine manière, de se vendre aussi tout seul. On a créé un phénomène qui s'auto-alimente malgré les défauts et les limites qui nous sont propres.